Alors, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'aurez remarqué, dans mon livre, j'utilise plusieurs fois le cabillaud à travers des recettes. Alors aujourd'hui, on va faire le pavé de cabillaud poêlé avec une sauce vin blanc. Ok ? Alors, c'est une recette facile, une recette qui n'est pas chère, avec des produits que vous pouvez trouver n'importe où. Si vous êtes lavé les mains, affûtez le couteau, brossez les dents. Et si vous vous êtes abonné, bien sûr, pour pouvoir être au fait de l'actualité de toutes mes vidéos, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Les ingrédients sont en description hein, pour faire cette recette. Pour commencer, je vais préparer mes échalotes pour le beurre blanc. Donc je les épluche avec un couteau d'office et je vais les ciseler. C'est faire des petits cubes assez fins parce qu'on va les laisser dans la sauce. Donc c'est mieux. C'est une taille assez petite et régulière. Avec un filet de sole, bien sûr. Et attention les doigts, il faut que le filet de sole coupe parfaitement. Voilà, bien 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 fin. Alors là, on ne voit pas mon visage pour la bonne et simple raison que je pleure toutes les larmes de mon corps avec les échalotes. Et là, je mets à chauffer avec du vin blanc. Alors je mets à réduire donc ma sauce à feu assez vif et là je vais contiser le dos de cabillaud. J'ai pris la partie noble, hein, c'est vraiment le dos du cabillaud. Et bien sûr avec les autres parties du cabillaud, j'ai fait d'autres recettes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Là c'est vraiment la belle partie, c'est la partie bien charnue. Donc je vais tailler le filet en 4 portions. En 4 portions, ça fait à peu près des portions de, on va dire 120 grammes, 130 grammes environ. Voilà, et un morceau bien épais, bien charnu. Donc là, ma sauce est en train de réduire, presque à sec, hein, presque à sec. Et là, je rajoute le fumet de poisson que j'ai fait avec les arêtes du cabillaud. Et ça, c'est dans une de mes recettes, bien sûr, que vous trouvez sur le livre ou dans une vidéo. Si vous n'avez pas de fumet, vous mettrez directement la crème. Hein, c'est pas grave. Là, j'enlève quelques arêtes qui pourraient subsister dans le filet. C'est mieux. Alors là, je prépare un papier sulfurisé. Alors, je vais faire un petit rond, là, comme ça, c'est un petit montage. Alors, je fais un triangle, bien sûr. Voilà, je fais un petit peu de pliage. Et je vais le tailler du diamètre de la poêle, du fond de poêle. C'est pour le mettre au fond de la poêle pour éviter que le poisson accroche. Alors on pourrait faire juste des carrés qu'on mettrait sous le poisson, hein, ça marche aussi, mais là j'ai fait un rond pour que ça prenne toute la poêle. Voilà. Là je vais mettre un peu d'huile d'olive dessus. Donc je suis à feu assez fort, hein, assez vif. Il faut bien saisir le poisson. Avant que je vais l'assaisonner, bien sûr, la peau avec un peu de sel. Alors j'assaisonne la peau parce que vu qu'elle sera suffisamment croustillante, on peut la manger. Et du piment d'Espelette. Donc, feu assez vif. Alors, c'est toujours pareil, il faut le gérer. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop, trop chaud pour éviter que ça brûle, parce qu'il faut que ça cuise aussi. Voilà, on entend le crépitement. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai contisé la peau du cabillaud pour éviter qu'il se rétracte. Voilà, là, j'aplatis avec une spatule pour bien que la surface adhère à la poêle. Toute la surface adhère à la poêle. Voilà, juste 10 secondes. Et là, je réassaisonne par-dessus, le côté chair. Donc sel et piment d'Espelette. Voilà, on voit, ça crépite. Hein. Voilà, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, histoire de, par-dessus, parce que c'est bon l'huile d'olive, après tout. Je vais retourner mes morceaux.
Alors, j'ai laissé à peu près, en fonction de l'épaisseur, c'est vrai que ça s'est vraiment jugé à peu près de 2 minutes. Ça va assez vite, le poisson en cuisson. Puis, après, je pouvais le retourner, le finir au four aussi. Hein. Donc là, je le sors, il est nacré. On le voit là sur le côté, là, c'est un peu translucide. Alors, pour le vérifier, vous pouvez planter la lame d'un couteau pour voir s'il y a une résistance ou pas, et si surtout à l'intérieur c'est chaud en palpant avec l'intérieur de la paume de la main pour voir la chaleur. Bon, après, c'est à votre goût. Si vous l'aimez plus cuit, le poisson, ben, vous le mettez un peu plus longtemps en cuisson, tout simplement. Donc là, je saisonne ma sauce, ma crème. J'ai mis ma crème, donc je mets du sel, du piment espelette. On est à feu moyen, à peu près. Alors, la sauce, en tout cas la crème, il faut éviter de trop la faire réduire parce que ce n'est pas très digeste. Donc moi, je mets ma sauce, je donne un bouillon et je vais la monter au beurre pour donner un peu de liant. Alors, c'est sûr que ça fait une sauce quand même assez riche. Hein. Alors là, on est sur des sauces un peu à l'ancienne, des grands classiques. Donc, c'est du beurre et de la crème. Mais après tout, allons-y, hein, on peut se le permettre de temps en temps. Et je vais finir par un demi-jus de citron. Alors, ça va donner du corps à la sauce, ça va l'épaissir légèrement. Je mélange le tout. Voilà. Et là, j'arrête le feu. Hein, ça n'a rien de... Je vous l'ai dit, de faire cuire, de faire bouillir. Il faut vraiment que la sauce ait un aspect fluide, légèrement nappant, mais très légèrement. Et là, je vais ciseler de la ciboulette. Que je vais rajouter dans la sauce. Mais une fois, c'est vraiment à la fin. Il faut pas que l'herbe elle cuise. Elle vient juste amener un petit goût de ciboulette, un petit goût d'aillé léger. Mais il faut éviter de la cuire. Et ensuite, je vais verser. Alors ça, c'est un peu à l'ancienne, on va dire. On mettait les sauces au fond des plats comme ça. Mais bien sûr, vous en gardez à côté dans une saucière pour verser dans l'assiette. Et je vais disposer mes morceaux de cabillaud dans mon plat et sur la sauce. Voilà, tout simplement. Celui-là, c'est pour moi. Je vais prendre une petite tranche de citron, un petit truc comme ça. C'est superbe. Ouais, c'est super. C'est bien, ça. Voilà un magnifique pavé de cabillaud poêlé avec une sauce poisson, ciboulette, jus de citron. Voilà, c'est facile. Vous avez réussi, j'espère. Bon, allez, si vous avez eu des difficultés, dites-le moi, faites vos commentaires. N'oubliez pas, envoyez vos photos sur Instagram avec le hashtag programme mentor. Hein ? Partagez aussi les photos. Et puis, peut-être que si je sélectionnais un de vos plats, vous pourriez avoir une petite surprise. Eh, sait-on jamais. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Bon, mais je crois que tout est dit. Pour le matériel, allez sur mon site. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le même que j'utilise pour faire mes vidéos et mes recettes. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette sur ma chaîne YouTube. Salut! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh ben, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben c'est juste là.